Omgunda Santima Amim Hono Yimbilam Omuvanan Kembo Kwamfumu Hono Yimbilam Geti Sasulandinga Amim Hono Yimbilam Geti Yimbilam Kamayangi Hono Yimbilam. Oh, Luiseno, Bankonde, toi, Yembede, là. Luiseno, Luiseno. Luiseno, ton compte, son Mukembo, Wasse. Je suis protestant. Je chante. C'est un chant de louange. On invite les peuples à s'unir pour ensemble donner la louange, la gloire à Dieu. Oui. Mungunda Zantima, du fond du cœur, voulons donner louange, honneur à notre Dieu. J'ai pas toujours été chrétien, si vous voulez. Hein. Dans ma jeunesse, la croyance, on croit en Dieu, mais sans une assez forte conviction, si vous voulez. Mais le jour où j'ai entendu une chorale, la chorale à laquelle j'appartiens aujourd'hui, chanter, eh bien, ça a été quelque chose d'assez magique. J'étais saisi sur le chant, et pour moi, ça a été le début de tout. Hein, le début de tout. Ça a été comme une nouvelle naissance. Hein. Je prenais tout à coup conscience qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il fallait faire avec lui. Un extrait du psaume qui dit « Recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et lui, il agira. » Oui, ce passage me parle beaucoup. C'est de cette façon que moi, j'essaye au quotidien de vivre ma vie, en me remettant au Seigneur. Je remets mon sort à l'Éternel. J'essaye en permanence de mettre toute ma confiance en Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il nous aime. Lui, il sait davantage ce dont nous avons besoin. Il connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Et donc, remettre son sort en l'Éternel, avoir confiance en l'Éternel, c'est tout simplement mettre toutes ses chances à ce qu'une vie soit réussie, j'ai envie de dire. Oui. Cet héritage, si je peux l'appeler ainsi. J'aimerais que mes enfants, oui, effectivement, suivent le chemin de Christ, oui, connaissent Christ. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est bien pour nos enfants d'avoir ces repères. Aujourd'hui, s'il faut demander quelque chose à Dieu, ça serait lui demander de continuer à guider mes pas. Yimbila.